Et yo tout le monde, c'est Esteban. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de 7 Days. C'est le jour de confiance et méfiance. Sharon ne veut qu'une chose, que vous terminez votre tâche. Que vos camarades vous fassent confiance ou que non, ça dépend. C'est parti. Confiance ou méfiance. Le jour 2, tôt le matin. Quoi? Coup de feu? Un coup de feu? Mais où? Et le sang? C'est un rêve, non. Ça semblait trop réel. Mais si j'ai perdu la mémoire, comment puis-je rêver? Peut-être que... C'est la dernière chose que j'ai vue de mon vivant. Si je me relève... Attends, si je rêve, je me relève. Oh putain. Bon, pas eu le temps de dire, dommage. C'est peut-être l'occasion pour moi de me venger. Ah, pour moi, ou pour nous, de nous venger. Hein? Bah, il est là, lui. Balam. Stop! Attendez! Quoi? Qu'est-ce que. Où suis-je? Bienvenue dans le Montréal. Le monde réel, enfin, de ce qu'il en reste. Oh, je vois, je sais pas si c'est une bonne chose ou non. Je pense que ces rêves sont des souvenirs de notre vivant. Elle sanglote. Ouh. Ton rêve a dû être bouleversant. Je crois que j'ai eu un grave accident. Je n'ai ressenti presque aucune douleur, mais je me sentais très triste. J'ai voulu me traîner au sol pour essayer de faire quelque chose, et tout est devenu sombre d'un coup. On dirait que tu as eu un accident de voiture. C'est possible, oui. Je me souviens que je devais absolument faire quelque chose avant de mourir. Ça doit être pour ça que tu dois ressusciter. Oui, merci. On s'était pas réveillé là à la même heure hier. Oui, en y repensant, nous sommes endormis en même temps. Vraiment? Hein? Enfin, c'est bizarre. Si c'est le cas, alors Balam ne pourrait pas venir nous tuer pendant qu'on dort. Et ta boussole? Pointe toujours dans une direction. Hein, elle bouge plus. On dirait qu'elle fonctionne encore. On devrait y aller. Hilde est hésitante. Quelque chose te tracasse? Non, ça va. C'est juste que la boussole. J'ai l'impression qu'elle pointe vers la mort. Elle n'a pas tout à fait tort. Pour qu'elle fonctionne, il faut que quelqu'un meure. On dirait qu'il commence à comprendre. Ah, désolé. Oublie ça. Allons-y. Quelques heures plus tard, à midi. Waouh. Ça doit vouloir dire que je dois les ouvrir. Regarde, elle pointe vers ses tiroirs. Wouah, un gun. Joli. On dirait un vieux pistolet. Tu penses qu'on peut l'utiliser? Je sais même pas si ce truc fonctionne encore. Quel dommage. Il a vraiment aucun moyen de s'en servir. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je n'ai pas le matériel nécessaire pour réparer. Tu dois... en connaître un rayon sur les armes, Kirel. C'est vrai, on dirait que je connais bien ce type d'arme. En tant qu'arme, ce pistolet peut être inutile, mais il a peut-être une signification particulière. Kirel, on dirait que ta boussole recommence à s'activer. L'aiguille tourne, on dirait qu'elle ne va pas s'arrêter de sitôt.
Je ne sais pas ce que je suis censé faire. Toujours plus de questions sans réponse. Qu'est-ce qu'on va faire? La boussole des morts a besoin que quelqu'un meure. Il n'y a que Hilde et moi ici. Il est donc évidemment que je dois. Kirel, quelque chose ne va pas? Ton expression me fait un peu peur. Oh, hein? Désolé, je fais toujours cette tête quand je réfléchis. Wow, tu devais être très concentré. Il reste moins de 5 jours. Je suis sûr qu'on trouvera une solution, alors ne t'en fais pas. T'en fais pas trop. Oui, tu as raison. Elle a raison, il reste encore 5 jours. Hilde m'aide à me calmer. Wow, là-bas, n'est-ce pas? Grrr. Hein? Un zombie? Une horde de gens, ou plutôt des ombres. Elles portent des masques. Hilde, je crois qu'ils viennent vers nous. Ce sont des morts-vivants? Je n'ai jamais entendu parler. Sharon nous a parlé d'eux. Si tu ne termines pas ta tâche sous 7 jours, tu te transformes en mort-vivant, condamné à errer dans ce monde pour toujours. C'est donc le sort réservé à ceux qui échouent le test. Et surtout, ne te fais pas mordre. Il dévore les gens comme des zombies. Oui, partons vite d'ici. Je connais cette ruelle. Les morts-vivants, ils nous poursuivent encore. J'ai l'impression qu'ils arrivent de tous les côtés. On n'arrivera pas à les semer en courant. Il va peut-être falloir les combattre. Oh putain. Hilde, on doit trouver des armes. Je vois des bâtons et des tuyaux là-bas. Peut-être qu'on peut. Kirel, attention! Grave soif. Bon sang, je n'ai pas fait attention. Ah, qu'est-ce qui se passe? Crow. Ils m'ont griffé, j'ai l'impression que je perds toute mon énergie, ou alors c'est une âme. On dirait que c'est là que tout s'arrête. Ya! Yeah. Va-t'en, pousse-toi! Et toi aussi, et toi, allez-vous-en! Hilde m'a sauvé la vie, mais elle s'emporte beaucoup trop. Hilde, fais attention, recule. Hein, quoi? Hein? Je dois l'aider. Kirel s'effondre. Je me sens si faible. Peut-être que c'est à cause du mort-vivant qui m'a attaqué. Kirel, tu vas bien? Je vais bien, partons vite d'ici. Quoi? D'où est-ce que tu sors? Ah! Bon sang, tout est fini. Oh, il est pas chiant de tirer celui-là. Crrr. Hein? C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Salut, t'as l'air en forme. Rah. Les morts-vivants qui ont été touchés disparaissent. Ils peuvent donc mourir aussi. Les morts-vivants, ils s'éloignent. Ils peuvent aussi ressentir la peur. Bon, on dirait bien qu'on a fini ici. Merci. J'en crois pas, messieurs. Oui, généralement, on appelle ça un miracle ou quelque chose du style. Balam, mais pourquoi? Je comprends plus rien. Dans tous les cas, merci. Ah, ce n'est rien. Vous m'avez sauvé la vie? Oui, parce que c'est à moi de vous tuer. Ah, quoi? Vous m'avez sauvé la vie juste pour pouvoir me tuer vous-même, hein? Cette fois, il pointe son arme sur Hilde. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pointes ton arme sur elle? Non, je n'ai jamais été aussi sérieux. Je suis censé la tuer moi-même avec mon arme. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une dernière volonté? Je ne comprends toujours pas. Pourriez-vous au moins m'expliquer? J'aime pas quand ça parle à la deuxième personne du singulier. Enfin, non, c'est pluriel. Oh, je sais plus, je m'en fous. J'aime pas qu'on vous voit, je préfère qu'on tutoie. Hein, quoi? Hi! Il va nous tuer? Il me reste encore ce vieux pistolet, que faire? Est-ce que je dois l'utiliser ou trouver un autre moyen pour la sauver?
je dois rester calme, il y a une mesure sur le... Je dois garder mon sang-froid. Utiliser ce vieux pistolet revient à signer mon arrêt de mort. Il est même pas chargé. Il doit y avoir un autre moyen. Quoi? Bon sang, je ne peux rien faire. C'est étrange. Généralement, quand un méchant comme moi fait son petit discours, c'est à ce moment-là que le héros vient à la rescousse, du moins, dans les films. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Honnêtement, je m'attendais à une meilleure réaction. Au moins, tu as conscience que c'est toi le méchant. Bien sûr, tu me prends pour un taré ou quoi? Honnêtement, ça me déçoit. Bon, assez parlé, finissons-en. Il a combien de balles? Parce qu'il fait que recharger, en fait. C'est la deuxième fois déjà. Hein? Il va vraiment? Pardonnez-moi. Quoi? Hey! Aïe, qu'est-ce que... Qui est-ce? Il sort de nulle part et a assommé Balam. Il porte un fusil. Et un fusil à pompe. C'est bon, c'est la guerre. Hilde, ne reste pas planté ici. Je ne comprends pas. Toutes ces choses continuent d'arriver. Quel imbécile. Qu'est-ce qu'il croit? Quel est votre nom, mademoiselle? Hein? Votre nom? De quoi? Qui ça? Moi? Ah, c'est Hilde. Hilde, je m'appelle Argo. Nous avons pas beaucoup de temps, donc faisons vite. Vous voulez que je tire sur cet homme avec mon arme? Hein? Oh oui, merci de votre réponse. D'accord. Ah! Waouh! J'ai presque failli me faire tuer. Maman, à l'aide! On a failli rester. Hein? Comment peux-tu sourire dans une telle situation, Kirel? Oh, je n'avais pas remarqué. Ce type a réussi à calmer Hilde comme si de rien n'était. Hein? Maintenant que j'y pense, je lui ai tout simplement dit mon nom. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est pile ce que je voulais. Bon, ça tire, hein. Mais ma puissance de feu est un peu trop juste. Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. À plus tard. Et ben, il part en courant. Ah, je pars. Au coucher du soleil. Wow. Je pense qu'on devrait s'arrêter ici pour prendre un peu de repos. Phew, quelle journée. Si rien n'a changé depuis hier, on devrait tous s'endormir bientôt. Mais avant, pourquoi ne pas nous présenter? Vous voulez dire, parler de nos tâches respectives? Oui, aussi. J'aimerais savoir ce que vous avez fait ces derniers jours. Eh bien, on s'est rencontrés le premier jour. Et après, on est devenus amis. Il ne dit pas ça. Oh, tu es timide, Kirel. Hey, votre relation est intéressante. Puis-je vous poser quelques questions potentiellement délicates? Pourriez-vous me dire quel est votre équipement et quelles sont vos tâches? M'en doutais qu'il allait commencer par ça. De toute évidence, il n'est pas là pour jouer. Je dois répondre un truc avec prudence. Pour moi, ce sont ces lettres. Je suis censé dire à tout le monde ce que je ressens vraiment. Mais à vrai dire, je ne sais pas comment faire. Wow, Hilda, la langue bien pendue. Ah ah, vous êtes trop honnête. Votre bien. Hilde, très intéressant. Et vous, Kirel? Comme vous l'avez dit, c'est un sujet délicat. Je vois, dans ce cas, je vais partager avec vous autant d'informations que possible. Vous avez vu mon fusil, n'est-ce pas? Vous semblez vouloir insister avec votre arme. Ne vous méprenez pas. Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez, je ne peux pas tirer à volonté avec mon arme. Comme vous l'avez vu précédemment, elle ne fonctionne que si quelqu'un d'autre le souhaite. Quand j'y repense, c'est vrai qu'il a demandé à Hilde si elle voulait qu'elle tire sur Valdam. Ah oui, je vois. Et si Kirel et moi ne le voulons pas, il ne se passera rien. Waouh, ça a l'air compliqué. Quant à ma tâche, je ne peux pas encore vous le dire. J'espère que vous comprenez. Puisque vous avez une arme, ça doit être... J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous en dire plus. Il n'est pas comme Balam, mais il doit sans doute tuer quelqu'un lui aussi. C'est à votre tour, Kirel.
Je dois me rendre. Je dois acheter les tickets. Je dois me rendre à un certain endroit. Cette boussole me montre la voie. Je vois. Nous savons maintenant quelle est la tâche de Kirel, ainsi que son équipement. Je ferais mieux d'éviter de mentionner le fait que quelqu'un doit mourir. Mais je suppose que ces zombies masqués ne comptent pas comme des morts. La boussole ne s'arrête pas de tourner. Kirel, je peux te parler ? On dirait que Hilde veut me parler en privé. Ouais. Je crois que j'ai eu de la chance de vous avoir à mes côtés, Argo et toi. Enfin, vous semblez avoir vos secrets. Oui, je crois que le moment n'est pas encore venu. Ne t'inquiète pas, tu pourras me le dire au moment venu. De toute évidence, Hilde me fait confiance. J'espère juste qu'on parviendra à s'en sortir vivant. Comme elle l'a dit. Fin du jour 2. Sur ce, les amis, on se laisse sur la fin du troisième épisode. On se retrouvera pour l'épisode 4 bientôt. Je vous laisse. Tchuss!